Salut à tous! Donc voilà mon nouveau Oxxo qui à la base était fait par Horde qui avait décidé de le faire, mais finalement il a dû abandonner pour un problème de son, donc je lui ai demandé si je pouvais reprendre son truc. Donc voilà. Donc je lui déduis ce Oxxo qui est mon RPG préféré de la Super NES et mon Final Fantasy préféré aussi. Je vous laisse voir un peu l'histoire. Donc oui, il y a beaucoup de fans qui l'ont traduit, hein, c'est la version Super NES bien sûr. Et c'est-à-dire version originale. Enfin, quand je dis original, c'est pas la langue, hein, vous avez compris. Ouais, il y a beaucoup de fans qui l'ont traduit et là j'ai pris la meilleure traduction possible. C'est une version, la version la plus récente, on va dire. Version Gold. Alors vous allez voir le scénario, on se fait jamais chier, franchement. Jamais. Parce qu'il se passe toujours des trucs. C'est pas traverser plein de cavernes et tout, des trucs comme ça, et une caverne, une ville comme ça, sans jamais avec le scénario avance. Hein. Le scénario, il avance tout le temps. Chaque personnage a un passé, une histoire. Et franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, c'est pas pour rien que c'est mon RPG préféré sur Super NES. Donc ouais, il y a des versions de traduction qui sont vraiment à chier. C'est pourri de faute d'orthographe. Donc celle-là, elle est faite par Terminus Traduction. C'est un très très bon, très très bonne équipe. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de foot. Hein. Donc là, voilà, on a trois persos ou Edge, je sais pas quoi. Enfin, ils sont pas très importants les deux. Là. Vous voyez qu'ils ont la même tête, c'est la preuve. Hein. Et la fille, dont on ne connaît pas le nom, et qui a apparemment détruit 30 soldats Magitech. Magitech, c'est l'espèce de truc que vous voyez les armures là, qui permettent de marcher. Donc là, une magnifique musique. Donc je vais pas la laisser parce que c'est le crédit. C'est le thème principal de Final Fantasy VI. Hein. Donc je... Parce que vous l'entendrez parce que c'est la musique de la carte. Hein. Donc ouais, je vais passer. Hein. Voilà, là on arrive dans une ville. Vous voyez, c'est à peu près futuriste. Hein. Enfin, pas futuriste, enfin, si, un peu, parce qu'on a quand même des armes. Donc voilà, on a Wedge, Biggs et fille au nom inconnu. Donc, vous voyez, ça c'est les différents trucs. Ça vous rappelle peut-être un peu FF5, le type de menu. Hein. Donc, pour l'instant, je vais pas vous en parler, puisqu'il n'y a rien de spécial. Hein. Pour l'instant, on n'a rien. Donc là, on peut courir. Donc, vous voyez, c'est des gardes de la ville. Donc là, on peut faire déjà pas mal de trucs au début. On est invincible en fait. Hein. Parce on peut se soigner. Je vous montre juste. On peut se soigner tellement. Voilà, alors, c'est quoi ça? On soigne de 10 fois notre vie en fait, c'est n'importe quoi. On fait des dégâts énormes sur tout le monde, enfin. Vous voyez, invincible quoi. Donc si vous voulez, vous pouvez level up hein, comme ça. Début du jeu, c'est intéressant. Et donc, ouais, j'ai beaucoup parlé, pensez au tout, parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Hein. Enfin, peut-être pas au début. Donc, ouais, vous avez compris, on fait partie de l'Empire. Enfin, elle est contrôlée en fait. Parce que vous avez lu au début, elle est contrôlée, elle peut rien faire, elle est même pas consciente en fait. Elle est obéie aux ordres aveuglément, hein, la fille au nom inconnu là. Et eux, c'est deux gardes impériaux, donc c'est de l'Empire quoi. Hein. Et là, en clair, on attaque une ville, vous verrez pourquoi.
Donc au début ils ont parlé d'un Esper. Esper, vous vous rappelez peut-être ce que c'est. C'est des invocations. Hein. Il dit qu'il y a un Esper qui a été Esper gelé qui est dans cette ville. Et c'est pour ça que l'Empire attaque la ville. Enfin, une espèce d'excursion quoi. C'est pas une randonnée là, c'est. Enfin, vous voyez, on massacre un peu les gens. Alors. Donc là, vous voyez les options. Ça va de changer ça à changer les fenêtres, etc. Les fenêtres. Oui. La couleur, etc. Donc, c'est assez complet. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ouais, pause, alors ça fait que ça met la pause quand je choisis les options. C'est pas comme dans FF5, donc. Ou s'il comptait à nous frapper quand je choisis les options. Alors maintenant ça c'est nouveau dans l'FF, il n'y avait pas ça avant, embuscade, on peut se faire attaquer des deux côtés en fait. Mais ça arrive que lors du scénario, hein. C'est pas, y a pas, je crois pas qu'il y ait des combats comme ça. Vous allez voir, je connais à peu près par cœur le FF. Hein. Par contre c'est assez dépaysant parce qu'on va passer d'un coup d'un truc futuriste à un château, enfin vous allez voir c'est spécial. Donc pour l'instant on peut rien faire, on peut juste faire utiliser des capacités d'armure magie tech. On se fait attaquer tout le temps, ne vous inquiétez pas c'est pas long. Je fais qu'un dernier combat dans pas longtemps là. Je sais même que c'est avec des espèces de mammouths qui vont nous attaquer. Je vous dis je le connais par cœur le truc. Hein. Ah. Alors. Donc ouais, elle peut tuer tout le monde, elle a plus de trucs que les autres, hein, comme vous pouvez voir. Elle peut tuer tout le monde tout seul, donc faut bien suivre l'histoire. Donc ça c'est pas de l'histoire, les petits dialogues comme ça on s'en fout. Quand vous verrez des gros dialogues, faut bien suivre. Hein. Faut pas louper une seconde de ce scénario de Bergeau. Surtout que moi je vais tout faire, hein, je vais récurer à fond les histoires des persos. Hein. Vous allez tout voir. Une nouvelle galerie, donc une nouvelle galerie, c'est pas un magasin, hein, c'est le galerie qui vient de faire. Donc là, il y a un point de sauvegarde juste à côté. Il y aura Garou. C'est nouveau. Ah, c'est les cons. Ouais, c'est vrai qu'ils absorbent le poison. Bon. Ah, il perd de l'œil tout seul, ouais, aussi. Ça m'éclate, ça. Il y a même des ennemis, je me rappelle, c'est des espèces d'écureuils. Et même pas besoin de les combattre. On arrive dans le combat, ils crèvent. Ils ont qu'un point de vie, je crois, et ils perdent direct. Vous allez voir, mais il y a plein de quêtes annexes aussi, vers la fin du jeu. Il y a tout dedans, vous allez voir c'est vraiment complet, le gameplay est très complet, il y a plein de trucs, vous allez voir c'est vraiment un FF le plus complet, il manque rien quoi. L'histoire, chaque perso a une histoire, l'histoire principale elle est énorme. Donc là je vais mettre nom. Hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'on peut le sauvegarde. Donc là pas la peine d'aller autre part que ici. De toute façon on va retourner ici putain, je vous en dis pas plus. Donc ouais, à cause de ça je risque de pas continuer les autres walkthroughs, hein, parce que je suis tellement passionné. Voilà, premier boss du jeu. Donc, je vais pas trop parler. Pas lui lancer d'attaque de... Si, si,
Si on peut lancer des attaques de foot, c'est pas ça le problème. Vous allez voir. Donc là, les dégâts sont un peu conséquents. C'est juste que quand il rentre dans sa coquille, il faut pas le frapper. Donc ça, c'est la meilleure attaque sur... Non, c'est celle-là. La meilleure attaque sur un perso. Voilà. Là, quand il essaie, il rentre dans sa coquille. Et là, faut surtout pas lui faire un truc, sinon il fait une attaque surpuissante. L'attaque ennemie avec magie n'y a rien. Ah, là je fais une connerie, je l'attaque avant qu'il rentre. Du coup il va me lancer son truc. Bon, je vais pas en mourir. Il se reçoit quand même les dégâts, par contre. Pourquoi la musique des boss c'est pas génial, mais... C'est pas la meilleure. C'est considéré comme la meilleure OST de Nobuo Uematsu, qui est le compositeur de quasiment toutes les musiques de FF. Hein. Vous comprendrez pourquoi lors d'une certaine scène. C'était vraiment un jeu d'enfant. Fallait juste pas l'attaquer quand on rentre dans sa coquille. Hein. Donc le problème c'est que moi j'ai peur de gâcher la musique du jeu. D'ailleurs j'ai pas pris la version GBA pour ça. Parce que je les aime bien mais... Enfin il y en a certaines, c'est pas grave si on peur. Hein. Voilà, et donc là on arrive... Ah, chier. Il gâche tout. Voilà, et là le scénario va vraiment commencer à partir de maintenant. Oui, dès le début. On voit l'espère gelé dont on parlait. Ah, les espères comptent beaucoup plus que dans FF5 hein, par exemple. Ils font partie carrément de l'histoire. Donc là il se rapproche de l'espère. Déjà il est moins perturbateur là dès le début. Et là, on se retrouve dans un lit. Donc elle toujours pas de monde. Donc que va-t-il se passer? Vous le saurez dans la prochaine vidéo qui suivra cette introduction. Allez, à plus.